Bonjour, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler watchlist. La watchlist, ma watchlist du mois d'avril. Et je vérifie ça parce qu'il y a 7 livres, comme ça c'est mieux, 7 films dont je veux vous parler parce que j'ai vu 7 films tout simplement, films, séries, animes au mois d'avril. Alors, comme à mon habitude, j'ai pris cette habitude-là, je trouve ça marrant, de faire un petit classement de mes films, de mes vues. Et pour le coup, là, ça sert vraiment parce que celui-là, par exemple, qui est en bas de l'échelle, est vraiment en bas de l'échelle, au bas des pâquerettes. Donc on va commencer donc en bas du classement, donc le 7e de ce mois d'avril, c'est un film de thriller paranormal, voilà. Donc c'est dans Les Angles Morts de Shari Springer Bernon et Robert Pulcini, je pense que c'est ça. C'est le 14e film que je vois de l'année. Je l'ai vu sur Netflix. C'est un film de 2021. C'est avec Amanda Seyfried. Seyfried, je ne sais jamais. Donc, on va être avec un couple. Alors, le plus classique, souvent, on abordait ce thème dans les films. Donc, c'est un couple, Kat et George Clair, c'est ça. Je regarde mes petites notes, qui emménage dans une ancienne ferme dans un hameau de la vallée de Hudson. L'apostrophe Hudson, très dur à dire en français. Mais très vite, des choses sinistres et étranges vont se passer dans cette maison. Voilà, rien de plus classique. Alors, moi ça ne me dérange pas les schémas classiques. Après, savoir comment ça a été exploité. Là, tout est la question. Et ça a été exploité au bas des pâquerettes. Le film est sans surprise, sans peur, sans angoisse. On nous fait des films à rallonge. Il dure 119 minutes, je pense. 119 minutes et il ne se passe rien. Il faut attendre la dernière demi-heure du film pour qu'il se passe quelque chose. Mais normalement, quand il ne se passe rien dans les films psychologiques, dits psychologiques, faut que ça aille crescendo, faut que ça instaure une ambiance, quelque chose de pesant, pour qu'à la fin, ça explose. Et là, je me suis ennuyée tout le long du film. Et de plus, la révélation finale, elle est... Ah ouais! Ah ouais! Tout ça pour ça, en fait. Les personnages sont un cliché, alors c'est toujours exploité ce genre de thème, c'est-à-dire que la femme entend des bruits bizarres chez elle, le mari, lui, il s'en bat les steaks, et lui, il a son boulot, tout va bien dans cette nouvelle vie, il voit rien, il entend rien, ou il fait comme, enfin, pendant un moment, je sais plus ce qui explose dans la cuisine, le genre de grippe, hein, comme ça, inopinément, il fait, mais c'est rien, c'est les fusibles qu'on sautait. Et elle est en stress. Voilà, perso trop cliché, même dans leur réaction, je dirais, elle est excessive dans son truc, lui il est excessif dans son truc aussi. No way. Donc j'ai pas grand chose à dire sur ce film. Pour des amateurs comme moi, de films justement qui aiment les thrillers psychologiques, quand on, je veux pas comparer l'incomparable, mais pour vous donner un ordre d'idée. Quand vous avez vu, par exemple, Rosemary's Baby, le film de Polanski en 1969, qui a été fait avant l'exorciste quand même. Enfin, bon, bref, je ne vais pas faire l'histoire du cinéma dans cette vidéo. Je veux dire, il y a quand même... Ça devrait être l'inverse. On devrait avoir parcouru du chemin. Et là, on régresse, mais totalement. Je veux dire, pourtant, c'est à peu près le même thème. La thématique n'est pas pareille. Mais voilà... Là, dans Les Angles Morts, il n'y a rien. Si quelqu'un me trouve un quelconque, mais ne serait-ce un tout petit, un chouïa intérêt de ce film, où il est, enfin, l'ennui total. Donc ensuite, en 6e position, j'ai regardé, alors c'est une série qui est passée sur TF1, je regarde rarement les séries
et les séries et à la télévision, sur téléphone, peu importe, et à la télévision. Et là, comme je l'ai suivi, j'ai bien aimé, j'ai décidé d'en parler ici parce que c'est une série récente. Donc, c'est Gloria avec Cécile Bois, Barbara Schultz et Joey Starr quand même. Donc, bon casting. Donc, Gloria, c'était une série de Jeanne Le Guillon et Bruno Degas. Et donc, c'est une série 2021 qui est passée donc sur TF1 au mois d'avril. Donc, elle est en bas du tableau. Par contre, je ne sais pas pourquoi j'ai mis en 6ème position, parce qu'il y a des films que j'ai trouvé moins bien que cette série, mais j'ai toujours un... Voilà, c'est une série française. Je me tâte un peu parce que j'ai pas l'habitude. Donc, c'est pour ça que je l'ai mis en bas du tableau. Je ne sais pas trop... Voilà, c'est un peu... inconnu pour moi, même si je regarde, mais les notés, les machins comme ça, c'est pas trop mon délire. Donc, les séries françaises, donc c'est rare. Donc, c'est pour ça qu'elle est en bas, mais elle est très très bonne comme série. On va être dans un thriller, là pour le coup psychologique. Et par rapport à un film américain, je sais pas si j'ai dit qu'il était américain, le précédent film, Gloria, c'est, ça a rien à voir quoi. Là, ils ont fait quand même, pour une série française sur TF1 en prime time, ils ont fait du lourd, même s'ils copient sur les Américains, pas dans les sanglements. Hein. S'ils copient sur le bon schéma américain, etc. Ça marche. Ça marche en tout cas, ça l'a fait avec moi. Dites-moi si vous avez vu cette série, hein, les récentes, elle est passée au mois d'avril. Là, dites-le moi. Moi, j'ai beaucoup aimé. Donc, il y avait quand même 6 épisodes de 52 minutes. 2 épisodes par soir, c'est amplement suffisant parce que j'ai des séries. Il y a des séries où j'ai arrêté de regarder qui passaient à la télévision. Il y avait 3 épisodes par soir. J'ai pas pu parce que moi, ça faisait trop tard. Donc là, 2 épisodes par soir, c'était l'idéal. Donc, on va être avec Cécile Bois qui s'appelle, je ne sais plus comment, dans la série. Donc, son personnage, donc elle a une famille, elle a, voilà, c'est une mère de deux enfants, deux petites filles, il me semble, avec un mari, etc., dans une belle maison, on saura pourquoi par la suite, c'est justifié. Dans une belle maison, franchement, une superbe maison. Tout va bien pour cette famille, ils s'aiment, voilà. Et puis un matin, le père s'en va au boulot, comme d'hab, et il ne revient pas. Et sur toute la série, voilà, le personnage de Cécile Bois, Cécile Bois, pour ceux qui ne connaissent pas, a joué Candice Renard, Renoir. Je suis nulle, excusez-moi. Donc le personnage de Cécile Bois va tenter tout au long de la série de retrouver son mari qui a disparu. Pourquoi, comment, nanani, nanana, elle va rencontrer, elle va avoir affaire à la police, donc Barbara Schultz. Elle va rencontrer Joey Starr, le personnage. Et puis elle va découvrir des trucs sur son mari aussi. Voilà, c'est toute une embrouille comme ça, toute une intrigue. Bah, c'est un thriller en fait. Beaucoup n'ont pas aimé la fin, j'avais lu, parce qu'elle a eu pas mal de succès, la petite série. Moi, j'ai bien aimé parce que, enfin, c'était une fin ouverte. Beaucoup ont du mal avec les fins ouvertes. Et moi, j'adore. Quand elle est justifiée, c'est pas genre je te prends pour pour moins que rien, tu te débrouilles avec la fin, j'ai pas voulu en faire. Non, cette fin est justifiée. Et donc après, libre à toi de choisir la suite, les conséquences. Donc, comme c'est un petit thriller assez psychologique aussi, j'ai bien aimé, il n'y a pas d'invraisemblance, il n'y a pas beaucoup d'action, tout est pesant comme ça. Vraiment, on va suivre vraiment le personnage de Cécile Bois qui est vraiment désœuvré, désemparé, qui est en désarroi total. D'ailleurs, je fais une mention spéciale pour son jeu de rôle. Tout le monde joue à la perfection, mais elle, surtout que c'est le personnage principal, on va la suivre vraiment dans son quotidien pour retrouver son mari, tout ce qu'elle endure, elle joue vraiment à la perfection. Donc, il n'y a pas d'invraisemblance dans la trame du truc, on s'ennuie. Mais on s'ennuie pas, il y a de l'action, il y a des rebondissements en fait. C'est pesant, lourd, et il y a des rebondissements quand il faut en avoir.
voilà, c'est bon, à chaque fin d'épisode, hein, donc forcément, mais même au sein de l'épisode, il y a ce qu'il faut, c'est bien ficelé, franchement, c'est bien fait. Et puis, bah voilà, moi, voilà, cette série était très, très, très crédible. Très crédible, j'ai vraiment pris cette série au sérieux. Donc, vraiment une bonne surprise. Franchement, cette série, je l'ai regardée par hasard. Déjà, c'est rare, je regarde la télévision le soir. Parce que je sais pas si je vais m'endormir, enfin, j'ai du mal à me concentrer. Et il se trouve que ma télévision était à 21h, là, 21h15, je sais pas combien. Ça commence de plus en plus tard. Les programmes, c'était sur la TF1. Et donc, j'ai vu Gloria. Enfin, j'en avais entendu parler, hein. Je vais pas le regarder ou je vais le mettre en fond. Et j'ai regardé, bah tu te laisses prendre. Et j'ai regardé toute la série, c'est-à-dire les 6 épisodes, 2 par soir. Voilà, c'était bah, franchement bonne série et je suis bien contente parce que quand on s'y met, on peut faire des très très bonnes séries. Sans en faire des caisses ou sans copier d'autres. Vraiment, du thriller. Tout simple, tout nickel. En cinquième position, j'ai regardé... Alors, vous savez qu'au mois d'avril, c'était le mois de la SF, la science-fiction. Donc, je me suis accès un peu plus sur la science-fiction dans mes choix de Netflix. Donc, un film Netflix. Donc, j'ai regardé un film donc, de science-fiction qui est Le Passager numéro 4 de Joe Pena. Alors, avec Toni Collette, voilà. C'est un film donc américain. Il dure 116 minutes, c'est-à-dire pas loin de 2 heures. Je le précise parce que beaucoup n'ont pas aimé ce film. Parce que si vous aimez l'action, passez votre chemin. Voilà, alors, tout d'abord, on est dans un vaisseau spatial qui s'apprête à faire une mission sur Mars. Donc, on les découvre, la première scène, c'est qu'on les découvre déjà en route dans leur vaisseau. Et en chemin... ils sont 3 à bord, donc la commandante qui est jouée par Toni Collette, et elle a 2 petits associés, 2 petits acolytes. Donc, je ne sais plus les prénoms. 2 scientifiques, donc Zoe Levenson et David Kim. Voilà, je vous dis le nom de leur rôle. Et tout se passe comme... tout se passe bien. Et en fait... leur mission va être un peu altérée parce qu'ils vont découvrir un cadavre dans le vaisseau spatial qui était caché. Et voilà, il est hors conscience, voilà. Il reprend petit à petit ses repères, sa conscience, etc. Et alors, on ne sait pas pourquoi il est là. Et ça va un peu entacher leur mission parce que du coup, ils sont 4 à bord, je ne sais pas si on dit à bord, un vaisseau spatial. Et ben, on a besoin d'oxygène. Il n'y a pas assez d'oxygène pour 4. Il y a assez d'oxygène pour 2, voire 3, puisqu'ils étaient 3 au départ, donc c'était bon, mais on ne peut pas dépasser. Comment faire? Donc c'est un espèce de survival science-fiction. Et tout le long, on va les voir... essayer de distordre ce problème. Voilà. Et il n'y a pas d'action. Il ne se passe rien. Et j'ai regardé pendant les 2 heures. Il n'y a pas de dialogue. Enfin, il y a des dialogues, mais toutes les demi-heures. C'est vraiment silencieux. Mais du coup, ça instaure une ambiance pesante, silencieuse. Le silence a vraiment un rôle principal, même je crois que c'est le rôle principal, le silence. Ça accentue leur solitude, leurs problèmes, mais quelle issue vont-ils avoir? Comment vont-ils s'en sortir? Il y a vraiment cette truc. T'entends le silence, tu l'entends bourdonner, il est là, surtout t'as le bruit du fond sonore du vaisseau spatial. C'est pas non plus... on n'est pas en transe, on dégouline pas de suspense. C'est vraiment un truc, tu te dis, mais... comment ils vont s'en sortir? Et il y en a, ils n'ont pas adhéré. Moi, je comprends tout à fait. Et moi, ça a glissé tout seul. Voilà. Donc, c'est un survival. Vont-ils sacrifier quelqu'un? Vont-ils
se sacrifier eux tous pour trouver une solution pour rester tous en vie? Telle est la question. Ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est que le réalisateur balaye tout cliché de film, de rôle, de genre de rôle qu'on a l'habitude de voir dans les grands films comme ça, à gros budget. Il n'y a pas de rôle cliché, il n'y a pas le psychopathe dans une situation comme ça, il y a toujours le psychopathe qui veut tout démonter, qui s'en bat les steaks de tout le monde, qui veut faire sa loi, qui part dans des aigus, des graves, qui fait des grands gestes, enfin un hystérique complet. Il n'y a pas ça, il n'y a pas ça. Ça reste, j'allais dire, pour le coup, très terre à terre. Ça reste très humain, ça reste très dans la bienveillance, ça reste très réfléchi. Voilà, c'est une ambiance, et l'ambiance du coup est très réfléchie et très, pour le coup, assez quand même cloisonnée. Ce qui accentue aussi, j'ai oublié de dire, la solitude, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que pendant un moment, la commandante Toni Collette a un téléphone, contact avec l'extérieur, et nous, la caméra, elle est sur elle, de loin comme ça, pas en gros plan, un peu de loin comme ça, on la voit téléphoner, elle regarde pas la caméra, elle est là, et on n'entend pas son récepteur à qui elle parle. On n'entend que elle, et elle est beaucoup dans l'écoute, donc elle ne parle à peine, on sait qu'elle parle à quelqu'un, et du coup ça accentue cette espèce de solitude qu'ils ont, et du coup on partage leur solitude, et nous on a l'impression d'être dans le vaisseau en fait. Après c'est pareil, beaucoup n'ont pas aimé la fin, ils l'ont trouvé un peu what the fuck. Après la fin est cohérente avec le caractère des personnages, je ne vais pas en dire plus. C'est vrai qu'elle est un peu facile pour moi, mais elle est cohérente, donc ça passe. Donc, les images sont magnifiques, voilà. C'est même si on est souvent dans l'ombre, enfin dans le sombre, on est dans un vaisseau spatial, autour c'est la galaxie, quoi. Il n'y a pas des couleurs de ouf. C'est assez surprenant quand même. Donc, belle réalisation. Et ouais, belle réalisation. Donc voilà, là on dirait que ce film est génial, mais je dis les points positifs, mais je vois pas trop de points négatifs parce que l'espèce de non-action est comme ça, est voulu pour le coup. C'est pas comme dans les films où ils veulent faire du suspense alors qu'il n'y en a pas. Là c'est voulu, où il n'y a pas d'action, il n'y a pas de dialogue, t'aimes ou t'aimes pas. En tout cas, le réalisateur a voulu ça et l'a mis en vraiment nous l'a ressenti comme ça. Moi ça a marché, c'est pas le film le plus, voilà, je le regarderai pas, enfin voilà, mais c'est un bon film parce que le but du réalisateur a été fait, l'effet est escompté, voilà, c'est un film oppressant, on n'est pas dans le divertissement, c'est plus on est dans, voilà, dans un peu dans l'angoisse, mais pas l'angoisse active, on est dans un film très intimiste finalement. Et j'ai bien aimé ça. Enfin, 2 heures de regarder un film pendant 2 heures, c'est que ça coule bien. Alors là, c'est le premier film de science-fiction que j'ai regardé au mois d'avril. C'est Annihilation avec Nathalie Portman. Ce qui m'a attiré, je vous le dis tout de suite, c'est les couleurs, les images de cette forêt. En fait, cette forêt miroite. Miroite les couleurs de l'arc-en-ciel. Non mais c'est vrai. Hein. Mais donc j'ai regardé sur Netflix. C'est un film de 2018 américain par Alex Garland. Il dure 115 minutes et c'est tiré du roman éponyme de Jeff Vandermeer de 2014. J'aimerais bien le lire comme, enfin je le vois hein, la couve Annihilation. Si j'y pense, je vous la mets là. Voilà, mais j'aimerais beaucoup lire le roman du coup parce que c'est un univers tellement étrange. Ce qui est élevé. Alors, je vais vous dire le synopsis et après je vais vous dire ce que j'en pense. Donc, on va suivre Lena qui est jouée donc par Nathalie Portman, qui est militaire et biologiste et elle est envoyée en mission. Pour comprendre ce qui est arrivé à son mari qui a disparu.
dans une zone plus ou moins celle qu'on va découvrir, comme je vous dis, avec cette nature toute en couleur, un peu étrange, très étrange même. Et on va comprendre pourquoi c'est comme ça. Donc tout d'abord, je voulais dire que Nathalie Portman porte le film. S'il n'y a pas Nathalie Portman et ses couleurs de fou, parce que franchement, j'accentue, mais vraiment, là, la réalisation sur les couleurs et la nature de ce monde très très étrange, on y est. On est vraiment dedans et c'est vraiment magnifique du début à la fin. Après, l'intrigue... C'est pas des plus originales, franchement. C'est intéressant, mais c'est pas super. Pareil, la fin m'a laissé un peu pour le coup sur la fin, sur ma fin. J'ai pas trop saisi la fin. Donc si vous avez compris, j'ai une petite idée, mais si vous avez compris, si vous avez une idée de, dites-moi si vous avez vu Annihilation. Qu'est-ce que vous pensez de la fin? Vraiment la toute dernière scène de fin et qui clôt le film, l'histoire, j'ai pas bien saisi. Après, j'aime beaucoup parce que dans ce film, on voit des animaux un peu mutants. Donc, j'aime beaucoup, je sais pas pourquoi, mais j'aime voir ça. Mais à part, je vous dis, j'ai pas trop grand chose à dire sur ce film, à part les couleurs, Nathalie Portman, c'est tout. J'ai pas grand chose à dire là-dessus. Ensuite, on va changer un peu de registre. J'ai regardé un anime sur Netflix, c'est Vampire Knight, donc de Kiyoko Sayama. J'ai mal à me lire. Donc, à la base, c'est un manga de Matsuri Ino. Il me semble, donc c'est un shoujo, romance, vampire, action. Voilà, on est là-dedans, donc c'est un jeunesse. Il y a deux saisons, il date de 2008. Donc là, on va être avec Yuki qui ne se souvient pas de son enfance. Elle a qu'un seul souvenir, c'est de s'être fait attaquer par un vampire et avoir été sauvée par un autre vampire. Voilà. Et 15 ans, non, 10 ans plus tard, on la retrouve dans une académie, de l'académie de Cross, et où elle est devenue gardienne de cette académie. Il y a deux écoles, je ne me souviens plus des noms, c'est horrible. Donc la day class, voilà, la classe des humains. Et la night class, celle des vampires, voilà. Et Yuki, la gardienne donc des vampires. Le président de cette night class est autre que Kaname, son sauveur de quand elle était petite. Et si j'y pense, je vous mettrai une petite photo. Kaname, j'en ai rien à faire. Je suis tombée amoureuse de lui. Il est tellement beau. C'était un délice de le regarder à chaque fois. Mes cheveux en tombent. Et donc ce Kaname, le sauveur de la petite Yuki, n'est autre que le président de cette night class. Donc on a déjà deux personnages, Yuki, Kaname, principaux. Et puis on a un troisième, c'est Zero, qui fait partie de la day class. Donc de la classe opposée, enfin, ils ne doivent pas se mélanger. Hein. Donc, mais lui, Zero, c'est un chasseur de vampires. Mais ce Zéro cache un lourd secret, est un personnage très torturé et on va comprendre pourquoi. Donc voilà, on a notre trio, on a la petite Yuki, Kaname, vampire, Zéro, chasseur de vampires. Et puis ça va être une romance, mais c'est pas aussi simple que ça, il y a toute une intrigue autour des vampires. Voilà, et c'est aussi de l'action, le passé des vampires, le passé des personnages. Il n'y a pas que, c'est pas fleur bleue, c'est de la romance certes, mais autour des vampires quand même, hein, faut pas l'oublier. Donc un univers que j'aime beaucoup. Alors même si c'était jeunesse, je ne me suis pas ennuyée. Je ne le regarderai pas, mais j'ai regardé les deux saisons quand même, de 13 épisodes. Donc ça se laisse regarder et j'ai apprécié ce manga. J'adore l'univers du vampire, Kaname est à tomber. Et puis voilà, c'était sympa.
Voilà, donc si je vous le recommande si vous êtes adepte de romans sur les vampires. C'est pas un roman adulte, hein, voilà, c'est de la jeunesse. Il y a un triangle forcément amoureux. Et puis, ouais, mais je vous le recommande quand même. Quand même, je vous le recommande. Et puis, les personnages sont terriblement charismatiques. C'est un bonheur, hein, à chaque fois, dans les mangas, de toute façon, hein, les animes. Voilà. Ensuite, sur Netflix, on retombe dans le film classé horreur. Et là, j'ai regardé La Plateforme de Kader Katselou Urrutia. Donc, c'est de la SF horreur. C'est un film de 2019 espagnol avec Ivan Passagué, on ne connaît pas. Donc on va être avec Goren, je n'arrive pas à me relire. C'est un truc de malade. Donc ouais, c'est bien ça, Goren, qui à sa demande a été incarcéré dans une cellule accompagné d'un vieux monsieur avec... Entre eux, ils sont séparés d'un gros trou au centre de leur cellule. Alors, ils peuvent passer par les côtés. Mais au centre de leur cellule, il y a un gros trou rectangulaire. Et par ce trou descend chaque jour, voilà, une plateforme sur laquelle il y a un festin. Donc, c'est leur repas du jour où ils doivent se goinfrer parce que ça dure, genre une minute pour... voilà. Ils n'ont pas le droit de garder leur nourriture avec eux, sinon on les enfume, on chauffe la pièce à fond, on la refroidit, enfin voilà, ils sont sanctionnés, ils doivent manger le temps que la plateforme est là, tout reposer. Et elle descend comme ça parce qu'il y a je ne sais plus combien d'étages, je ne dis pas le nombre d'étages qu'il y a parce qu'au fil du film, on va s'apercevoir qu'au début on croit qu'il y a tant d'étages, mais en fait il y en a beaucoup plus. Et ils sont comme ça, voilà, et ils savent à quel étage ils sont. Il y a une grosse pancarte sur leur cellule. Et plus tu descends en bas, plus t'es traité comme un lynche, en fait. T'es traité comme de la merde. Plus t'es en haut, mieux c'est. Ce qui est terrible aussi dans cette espèce de prison, là, c'est que un matin, donc tu restes un mois dans chaque cellule, et un matin, tu te réveilles, mais tu sais pas où tu vas atterrir. Tu vas atterrir soit... en bas, soit si tu arrives dans les 5-6, tu sais que tu es vers le haut, donc ça va. Donc déjà, plus tu descends vers le bas, plus tu es moins nourri forcément, puisque ceux qui sont en bas, ils n'ont plus rien, ils ont plus que les carcasses de poulet, des machins. Donc vous aurez compris, enfin, je passe, enfin voilà, c'est une satire du monde de la hiérarchie sociale, hein. Ceux qui sont bien logés, nourris, ceux qui sont dans les hautes sphères, et plus tu descends, plus on te traite pour la merde. Il y en a même qui font leurs besoins sur la nourriture pour ceux d'en bas. Enfin, voilà, on est en mode, c'est un survival quand même. Quelque part, même si on est emprisonné, on ne peut pas en sortir. C'est quand même quelque chose, on essaie quand même de survivre. Et on va suivre ce Goren, donc c'est un homme assez beau gosse, hein, assez intelligent, lambda, tu vois. Donc il va rencontrer différents, donc à chaque fois qu'il change de cellule, il a un compagnon différent. Donc au début c'est un vieux monsieur, après c'est une dame, après puis il va faire comme ça des rencontres. Et puis, mais c'est très, c'est de l'horreur, oui, parce que pour survivre, ceux qui sont en bas pour manger, quand on est deux, ben voilà. Mais c'est, voilà, c'est plus, j'ai plus vu ça pour une satire vraiment la hiérarchie du monde social, politique, vraiment. Et en haut, tout en haut, je vous ai pas dit, en haut, tout le monde est habillé de blanc. Ceux qui font la cuisine sont propres sur eux, sont habillés en blanc. Et t'as le chef comme ça qui est là, qui regarde si la bouffe qu'ils font pour eux est bien et propre, etc. Et donc en fait, par son propos, le film, j'ai trouvé ça génial, l'idée. C'est vraiment bien exploité, vraiment bien exploité. C'est bien réalisé, parce que pour réaliser un huis clos comme ça, il dure combien de temps? Ouais, 94 minutes, ça va. En même temps, c'est un film d'horreur. Voilà, c'est bien, enfin c'est bien fait, franchement c'est bien fait. J'ai beaucoup aimé en plus de regarder en VO, parce que je sais pas si vous ça le fait, Netflix, le son, alors les musiques sont hyper fortes, tu dis ouais c'est bien, c'est assez fort, il est parfait, ah, j'ai rien compris,
J'ai regardé en VO, comme ça, je lisais, et puis voilà. Même si c'était pas, même si j'entendais pas, je voyais ce qui était écrit. Parce que c'est une catastrophe, le son de Netflix, c'est horrible. Bon petit film d'horreur, ouais. Voilà des films d'horreur originaux, voilà. Idée originale, bien réalisée, l'effet escompté d'un SF horreur. Il n'y a pas non plus, on ne part pas dans des délires de fou. C'est bien fait, c'est bien exploité. Enfin, je sais pas si c'est un bémol. La fin, par contre, pour le coup, tout à l'heure, je vous parlais des fins ouvertes, quand elles sont crédibles et tout ça, justifié, ça le fait. Là, j'ai l'impression que l'auteur, il est un peu... le réalisateur, je ne suis pas la seule, parce que sur les réseaux, beaucoup n'ont pas compris la fin. Si vous avez vu ce film, La Plateforme, la fin, pouvez-vous m'expliquer, franchement, ce que ça donne, parce que... Il y a une fin, mais on dirait en même temps que ça finit un peu en queue de poisson. Il y a un espèce de message, ça c'est sûr. Mais je suis pas trop sûre de mon message. Donc ça me chagrine un peu. Mais c'est un bon film. Vraiment, c'est un bon film. Les classes sociales sont très bien exploitées dans ce genre horreur. Et enfin, le premier, c'est pas le meilleur. Mais c'est mon classement, je vais vous dire pourquoi c'est le premier. C'est Tao, de Federico D'Alessandro. Donc c'est un film américain de 2018, donc c'est du SF horreur cyberpunk, parce que Tao c'est un robot. C'est avec Marika Monroe et Gary Oldman qui fait dans la version originale, alors pour le coup je l'ai regardé en français, là. Mais je savais pas, je l'ai vu après que la voix du robot de Tao, donc c'est la voix de Gary Oldman, l'acteur que je chéris. Donc c'est peut-être sur Netflix, il fait 97 minutes. Donc en fait, on va suivre une fille qui se fait enlever à la sortie d'une boîte de nuit et elle se retrouve dans une espèce de cellule, une cave avec deux autres gens comme elle en fait. Et what the fuck. Donc, et après, elle s'aperçoit qu'ils sont sous la coupe d'un psychopathe. Il réussit enfin à s'échapper de la cellule. Mais un espèce de robot, donc le psychopathe, hein, un homme, voilà. Mais quand il s'échappe de la cellule, il court et court et court. Il y a une espèce de robot, mais géant, qui les tue. Et on va suivre la fille, donc, qui s'appelle je ne sais plus comment, qui réussit à échapper aux griffes, je ne sais pas quoi, du robot, mais que le psychopathe garde quand même chez elle. Voilà, il dit pas, puisque tu es là, tu vas me servir à quelque chose. Enfin, puisque tu es là, il a kidnappé pour ça, il kidnappait les gens pour ça, pour faire des expériences sur eux. Il va la garder. Enfin, il va la garder. Mais je dis n'importe quoi. Elle reste prisonnière. Elle était prisonnière, elle reste prisonnière, mais il ne la tue pas. Il veut la garder pour ses expériences. Mais, donc c'est dans une grande maison, c'est ça aussi que j'ai beaucoup aimé. C'est une grande maison vraiment d'architecte, what the fuck, avec le robot Tao, donc du coup, qu'elle va découvrir, qui est au service du psychopathe. Donc, c'est lui qui l'a programmé, etc. Et pour le servir, c'est vachement beau. Bah, c'est un peu comme l'affiche haut en couleur. Et pendant que lui va travailler, pendant ses heures de travail à l'extérieur de la maison, elle va rester donc avec le robot. Et enfin, chez lui, donc avec le robot, et elle va essayer d'apprivoiser le robot. Vous entendez la phrase apprivoiser un robot? Il est programmé le robot, hein. Ça peut pas être apprivoisé. Donc, du coup, voilà. Donc, c'est un peu tiré par les cheveux, j'entends. Ce film, dans 10 ans, il sera kitsch. Il est déjà kitsch, franchement. C'est un peu tiré par les cheveux, mais c'est ce genre de film un peu merdique que j'aime parce que. Je sais pas comment dire, il y a tout le temps des films un peu merdiques, mais qu'on aime et que pour le coup, je vais regarder parce que c'est pas prise de tête, c'est divertissant. Là, franchement, c'est la fille, c'est une jeune, je veux dire, on dirait qu'elle a fait l'ENA, quoi. Là, voilà, elle essaie d'apprivoiser un robot. Voilà, on n'y croit pas une seconde. Le psychopathe, des fois, il est un peu con. Mais ça passe, moi,
J'ai aimé, hein, j'ai beaucoup aimé. Puis on va se dire, est-ce qu'elle va sortir de ses foutues pattes de psychopathe à lui, là. Tout est réglé sur informatique, hein, donc pour sortir de chez lui, c'est pas une clé, c'est vraiment ses empreintes sur une espèce de plaque comme ça, qu'il reconnaît et puis qui ouvre une grosse porte blindée. Tout est automatique, tout est. Et va-t-elle s'en sortir? Mais pendant tout le film, on la voit discuter avec ce robot. Bon, elle essaie d'apprivoiser le robot pour que le robot puisse la faire sortir de cette maison. Voilà, donc comme je vous dis, c'est tiré par les cheveux, c'est gros comme il y a des clichés, il y a des machins. Mais là, ça passe. À mon avis, ça a tellement. C'est tellement gros. Mais c'est divertissant, voilà, c'est divertissant. À chaque fois que je regardais, je me disais, mais c'est con, mais je regardais, en fait, je rigolais. Voilà, on aime bien des fois, je pense pas que ce soit fait pour ça, je sais pas si c'est voulu. C'est aussi con, aussi niais, aussi gnangnan, dans le sens, on se dit, on n'y croit pas, mais ça marche. Ça marche, il y a des rebondissements pendant un moment. Donc, ils mangent comme ça, en face l'un de l'autre. Et puis, elle lui dit je sais pas quoi. Donc, lui, il dit, ah bon, machin. Donc, il s'approche d'elle. Elle fait semblant de manger, tout ça. Elle veut lui chipper ses lunettes, en fait. Parce qu'on a besoin pour encore une astuce qu'elle a trouvée pour s'échapper. Elle essaye. Hein. Et donc, il est penché, là, ses lunettes, vous savez, ici. Et lui, il est penché comme ça, ici, en fait. Comme si, là, elle mangeait. Lui, il est là. Ses lunettes sont là. Comme ça. Et lui, il cherche un truc au-dessus de son assiette parce qu'elle lui a dit, je sais pas quoi, j'ai une mouche, enfin, enfin, bon, hein. Et il lui prend ses lunettes comme ça. Mais genre, c'est fait genre à lui prendre en douce comme une pickpocket. Mais d'où le mec, il s'en aperçoit pas. What the fuck. Mais ça passe. C'est bizarre des fois. Avec moi, en tout cas, ce film est passé. Pour moi, c'est un film kitsch, mais j'ai bien aimé, voilà, je sais pas comment dire, voilà, donc le meilleur film que j'ai vu en avril, c'est un film de science-fiction, de psychopathe, ou alors c'était le bon moment pour le regarder, c'est divertissant, c'était Tao. Voilà pour cette watchlist avril, j'espère que ça n'a pas été trop long pour vous, enfin si vous êtes encore là, c'est pour qu'il n'y a plus personne, c'est pas grave, De toute façon, c'est en ligne, c'est dit, mes avis sont transmis. Et dites-moi, vous, si parmi ces films, séries ou animes, vous en avez aimé, ce que vous en pensez, tout simplement. Voilà, c'est vrai que j'ai pas de compte, enfin, j'ai mon compte Instagram, mais je mets mes chroniques de films dessus, même si c'est un Instagram, un Bookstagram, si vous voulez, pour les livres. Mais vous pouvez toujours me suivre là-dessus. Ici, si c'est ce genre de vidéo, donc du coup, vous plaît aussi sur le cinéma, encouragez-les, mettez un pouce bleu, n'hésitez pas à vous abonner, si pour le coup. Et la semaine prochaine, ce mois de mai, est cinéma, parce qu'on va, comme il y a 5 dimanches ce mois de mai, il reste encore un dimanche au mois de mai, et au mois d'avril, j'ai acheté des DVD. Donc, dimanche prochain sera un DVD haul. J'ai 5-6 DVD quand même à vous présenter. J'avais eu en occasion chez Easy Cash. Ouais, Easy Cash il me semble. Et je vous montrerai ça la semaine prochaine. En attendant, je vous souhaite de bons visionnages de films et de belles lectures aussi. On n'échappe pas à la règle. Et puis je vous dis à bientôt. Ou à mercredi, puisque mercredi sortira un mini-vlog. Voilà, un petit vlog. Mercredi 26 mai, donc à mercredi ou à dimanche prochain. Bye!